c'était sûr que je jouais soit de la guitare électrique ou de la guitare acoustique. Mais comme mes shows de guitare électrique, j'ai souvent l'occasion d'en faire avec des groupes. J'ai des groupes de métal, un groupe Undercover, une revue artistique rock. Mais mes tunes à guitare acoustique, c'est très rare que je peux les faire devant un public, tu sais. C'est rare que tu trouves des shows de ça, puis que le monde a le bouquet, puis tout ça. Puis je viens juste de commencer, tu sais. Je rentre sur la map, là, genre doucement, tu sais. Fait que Cégep en spectacle, ça a vraiment aidé ça. Puis je me suis dit, comme... Parce que déjà qu'on sait que percer dans l'industrie québécoise, c'est super difficile, ben on essaye de garder les portes ouvertes. Là, avec l'austérité, ben ça enferme beaucoup. Puis Cégep en spectacle, ça donne des moments incroyables. Là. Ça donne des opportunités à des gens qui n'en auraient pas d'une autre manière. Puis nous autres, on en est reconnaissants et on espère qu'il y en a d'autres qui vont avoir la chance de participer à ça aussi. Là. C'est un motivateur, en fait, pour ceux qui ont des petits talents cachés puis qui souhaitent les mettre au grand jour. C'est un tremplin aussi pour certains. Donc, moi, je pense que oui, ça devrait continuer. Ça encourage la relève. T'sais, on n'a pas énormément d'opportunités pour montrer ce qu'on fait, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. C'est vraiment une belle expérience. Je pense que tout le monde devrait avoir cette chance-là de pouvoir être sur une scène, montrer ce qu'on fait, ce qu'on crée. Qui c'est qui a pris ça comme beauté? Beaucoup d'expériences scéniques, premièrement. Puis aussi, j'adore le fait là, de rencontrer d'autres personnes qui partagent autant la même passion que la danse ou le théâtre, peu importe, là, l'humour, le cirque. On a du monde qui font du cirque, mon Dieu. Je sais pas, j'aime beaucoup les expériences de groupe. Juste la fin de semaine qu'on a passée, c'était vraiment extraordinaire. Là. J'ai aimé les gens, tout le monde était sympathique, puis tout. Puis on a pu discuter de tout le monde, puis parler de qu'est-ce qu'on faisait, puis tout. Puis c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Ça me fait gagner beaucoup de confiance en moi, je dirais, parce que avant j'étais gênée, j'avais de la misère à parler devant les gens. Puis là maintenant, et voilà. Encore plus. Puis aussi, tu sais, du temps de qualité. Tu sais, ici, mettons, on pratique, notre numéro, il est rodé depuis la locale. Puis tout ça, tu sais, notre numéro, il est prêt. Fait que, tu sais, de passer du temps aussi ensemble, juste, tu sais, parce qu'on se voit souvent dans nos pratiques. Puis là, on a tous nos projets un peu chacun de notre bord. On est tous dans nos études, puis tout ça. Ouais. C'est ça qui est fun avec ces jeux en spectacle, c'est les commentaires. Des gens d'expérience. Ouais, là, ben, c'est aussi, on... constructif. C'est ça, on gagne beaucoup là-dedans parce que ça nous permet de... De nous développer en tant que groupe. C'est ça, d'améliorer notre projet à long terme. C'est ça, puis de mettre un peu l'accent sur des détails qu'on voit peut-être pas nécessairement quand on est dedans. Mchka, mai, 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 mchka, mai. Chica, 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 chica